Bonjour, il y a du nouveau aujourd'hui dans la boutique Scrap Merveilleux. Une nouvelle collection de chez Crafter Compagnon sur le thème des anges. Alors, je vais vous montrer d'abord les papiers. Donc, il y a 36 pages en 30-30 du 180 grammes, recto verso. Alors, bon, les pages sont grandes, donc ça va pas être facile de vous montrer tout en détail, mais regardez ces jolis anges avec des fonds. Alors les fonds sont superbes. L'arrière, je vous montre des nuages, des textes. Alors il y a plusieurs fois les mêmes pages. Ensuite, on a ce fond avec cet ange qui joue du luth dans les tons un petit peu vert et orangé. Alors c'est pas facile de vous montrer tous les détails des fleurs. Regardez un petit peu, il y a aussi des anges en filigrane dessous. Ensuite, nous avons des tons bleus pâles avec cet ange-ci. Alors là, si vous voulez faire quelque chose, un petit carnet avec des bondieuseries, comme on dit, façon ancienne, jolie carte de communion, tout ça, c'est très très joli. Alors pour les fêtes ou pas spécialement, hein, toute l'année, moi je trouve que c'est intemporel vraiment. J'aime beaucoup 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 cette collection. Je trouve que c'est très inspirant. Voyez, cet ange-ci tient une rose dans sa main. Alors on peut faire aussi des albums façon à l'ancienne avec des pages transparentes pour protéger les photos. Il y a justement avec la collection, regardez celle-ci avec son étoile au-dessus de la tête. Donc ça fait un peu chromo, ça fait aussi hiver, Noël. On a celui-ci aussi avec sa grande robe, ses grandes ailes. Et toujours les fonds sublimes, hein, regardez ces fonds fleuris aussi avec du texte. Oups, celui-ci. Et dans le coin, l'arrière, c'est magnifique, hein? Vous voyez ces couleurs, c'est vraiment très très joli. Et une petite dernière pour la route, peut-être celle-ci. C'est vraiment pas facile de vous montrer en détail. Ouais, pas facile. Non, la première, celle-ci avec une étoile, une couronne avec des fleurs et puis une étoile sur le front. Sur la couronne, elle tient un petit carnet rose, des ailes bien roses. Donc là, je pense que il y a de quoi faire quelque chose de sublime. Alors ça, c'est pour le bloc en 30-30. Vous avez 36 pages. Ensuite, vous avez en 20-20 le bloc de calque imprimé, donc assorti, comme ils aiment bien faire. Donc il y a 6 modèles différents. Donc dedans on a 24, 24 feuilles, donc 4 de chaque. Alors je vais vous montrer, je vais peut-être pas tout sortir, mais je vais vous montrer par transparence. On a du blanc dessous, ce que ça peut donner. Alors justement, si vous faites un album façon à l'ancienne avec, avec le calque pour protéger les photos ou faire comme des intercalaires, donc ce sont les mêmes motifs qu'on retrouve à l'intérieur du bloc de papier. Là, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Voilà, c'est un vélin assez épais. Vous pouvez plier aussi, faire des enveloppes avec. Je vous montre en fait les quatre modèles. Il y a 6 modèles. Donc on a celui-ci, celle qui a sa couronne avec l'étoile au-dessus et les fleurs, avec son petit livre dans les tons vieux roses. Voilà, bon, alors vous avez 6 modèles différents, je ne vais pas tout sortir là. Par contre, vous pouvez utiliser l'encre Spring Pensée, donc Pensée pourpre, le numéro 35, 035, pour aller avec si vous voulez, ou d'autres teintes, hein, dans les verts, les bleus. Alors il y a deux séries de dies, donc il y a celui-ci, une bordure avec des plumes, avec une grande plume, donc il fait 16 par 7,1, donc vraiment ça vous fait une page d'album en 15-15, même un peu plus grand, en 16-16. Vous pouvez faire vos bords de page comme ça, puisque là, ça ne découpe pas sur ce bord. C'est vous qui coupez à la longueur que vous voulez. Donc, vous pouvez faire des pages. Et celui-ci, pareil, et vous avez l'ange
avec les petites fleurs. Donc celui-ci fait 16,3 de hauteur par 8,9 de large. Donc ça passe évidemment dans vos machines en A5, hein, les machines de découpe en A5, sans problème. Donc c'est un die unique, mais très très joli, complet, assez grand pour faire vos pages. Ensuite, je vous propose d'utiliser pour aller avec les petites fleurs de chez Prima, celles-ci. Elles sont dans les tons. C'est le 658-656. Vous avez ça. Et vous pouvez utiliser pour faire des flipettes les aiguilles d'horloge de chez Tmall's. On a aussi celles-ci. Donc, il y en a 24 en fait. Hein, plus les petites attaches parisiennes dans celles-ci. Vous avez les brads. Sinon, là, vous pouvez trouver les brads à part dans la boutique. Vous en avez plusieurs de la même taille, hein, elles sont superposées. Ça, c'est très chouette. Et puis, le temps qui passe, l'horloge, tout ça, je trouve que ça va bien avec le thème des anges. N'oubliez pas que vous avez les belles dentelles shabby dans ces tons à sortir avec. Donc, beige, vieux rose, le vert et le blanc. Donc, il y a un vert menthe un peu, comment dire. Pas flashy en fait, hein. Elle est très jolie. J'ai reçu aussi en nouveauté ces nouveaux masques stencil de chez Marianne Design. Donc vous pouvez faire avec des albums, c'est un gabarit pour découper vos pages ou vos cartes. Vous avez en haut la neige que vous pouvez superposer pour faire le même principe que le tuto de cartes avec la cloche, hein, le gabarit de la cloche que je vous ai mis il y a quelque temps. Sur la chaîne YouTube, dans les tutos, vous avez aussi cette carte-ci façon tag qui est disponible le tuto depuis hier aussi dans la boutique. Vous en aurez d'autres un demain, tous les 2 jours en fait. Regardez, abonnez-vous à la chaîne comme ça vous serez informé des nouvelles vidéos. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous montrer de particulier. Je voulais vraiment vous présenter cette collection que je trouve qui est intemporelle, qu'on peut utiliser toute l'année. Alors après cette marque, elle est pas suivi, on a pendant je sais pas un mois ou deux du réassort, et puis après ils en ont plus, c'est terminé, ils passent à de nouvelles collections. Donc Crafter Compagnon, si vraiment il y a des choses qui vous plaisent, il faut les prendre quand elles sont dispo, parce qu'après c'est terminé, on n'a jamais de réassort. Voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il y en a qui me disent ah il y en a plus, il y en a plus, mais 3 mois après non, il y en a plus et impossible d'en avoir. Donc voilà pour la petite info. Eh bien, je vous remercie d'être fidèle à la chaîne Scrap Merveilleux, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique scrapmerveilleux.fr et sur le blog scrapmerveilleux.com. Vous avez encore des tutoriels, de la déco, enfin voilà, d'autres choses à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.